Je suis Gabriel Val. Je suis médecin, psychiatre et pédopsychiatre. Cela signifie que je reçois à la fois des adultes et des enfants pour différents troubles, dont le TDAH que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui dans l'émission Tacapté, l'émission scientifique de Clic. Aujourd'hui, nous allons nous poser plusieurs questions. Nous allons notamment nous demander si nous sommes tous atteints d'un TDAH. Alors le TDAH, je vais peut-être pour euh, passer par un petit détour, euh, il est synonyme dans l'usage, ça ne veut pas dire que je l'approuve, mais il est synonyme d'hyperactivité. Mais le mot hyperactivité correspond à une erreur dans l'histoire de la médecine, c'est-à-dire qu'on a focalisé ce trouble sur l'apparence la plus visible, c'est-à-dire l'agitation. Mais le fond de l'affaire, le fond de l'affaire de l'hyperactivité, c'est le trouble de l'attention, le trouble avec déficit de l'attention. Et de surcroît, pour certains enfants, il peut y avoir un trouble avec déficit de l'attention sans hyperactivité. Donc, le terme d'hyperactivité est devenu encombrant et on a créé un acronyme qui est donc TDAH. Alors, j'explique en quelques mots ce que c'est qu'un acronyme. Tous les écoliers de France le connaissent. Par exemple, CP, c'est un acronyme de cours préparatoire. Eh bien, TDAH, c'est un acronyme de trouble avec déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà. TDAH, donc, ça introduit d'emblée. Deux distinctions: il peut y avoir des TDA avec H, donc des troubles de l'attention avec hyperactivité et des troubles de l'attention sans hyperactivité. C'est un trouble évidemment que l'on peut considérer de différentes façons parce que chacun peut avoir au moins une minute par jour un peu d'agitation ou un peu d'inattention. Mais lorsque le trouble se manifeste de façon quasi permanente, on peut considérer donc qu'on a un vrai TDAH et ça correspond à peu près à environ 5% des enfants. On pourrait dire, pour simplifier, un enfant par classe, un ou deux enfants par classe. Alors, le, ce que l'on appelle le sexe ratio, c'est-à-dire le fait de comparer la prévalence, la fréquence d'un trouble chez les garçons et chez les filles, euh, montre en effet que les garçons sont plus souvent euh, porteurs d'un TDAH que les filles, mais dans des proportions qui aujourd'hui ne sont pas bien éclaircies. Donc, on pourrait dire, pour simplifier, qu'il y a trois à cinq fois plus de garçons que de filles qui ont un TDAH c'est un trouble qui concerne donc les enfants dès le, dès le premier âge euh, ou qui peut se manifester euh, dans l'enfance dans un petit peu plus grande par exemple autour de l'école primaire et qui peut persister euh, toute la vie donc c'est un trouble qui, peut, euh, qui concerne tous les âges de la vie euh, mais avec évidemment des expressions différentes par exemple un enfant de 8 ans, s'il est très agité, peut être considéré comme un tourbillon. Il est bien évident qu'un adulte pourra quand même se contrôler, ne pas bouger dans tous les sens, ne pas se lever toutes les 30 secondes, etc. Les premières descriptions, je vous en, je vous en ferai grâce, mais remontent au XVIIIe siècle. Donc depuis le XVIIIe siècle, avec d'autres termes, bien sûr le TDAH est un terme récent, mais ça s'appelait par exemple il y a 30 ou 40 ans l'instabilité psychomotrice. Euh, et donc c'est décrit depuis le 18e siècle, également au 19e. Et donc aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir ce que l'on appelle un diagnostic clinique, c'est-à-dire qu'on recense des symptômes. Mais le fait de recenser des symptômes, par exemple, on va prendre un, un petit parallèle si, si vous en êtes d'accord, euh, si je consulte mon médecin généraliste et que je lui fais la liste de tous les symptômes du Covid, il va me dire, vous avez un Covid. Mais la seconde chose qu'il ajoutera, c'est, mais je n'en suis pas sûr, parce que c'est juste un diagnostic clinique, parce que j'ai juste dialogué avec vous, on va faire un test biologique. Mais pour le TDAH, nous ne disposons pas de tests biologiques. Donc, nous sommes obligés de nous contenter des, du diagnostic clinique, c'est-à-dire de liste de symptômes, c'est-à-dire. On essaye de recenser les symptômes et on interroge les parents, on interroge les enseignants via les bulletins scolaires, etc. Donc on essaye de trouver un certain nombre d'arguments en faveur du diagnostic. Mais il y a toujours un petit coefficient d'incertitude, ne serait-ce que parce que nous sommes pas tous TDAH de la même façon. On peut être TDAH et anxieux, TDAH et particulièrement remuant, ou au contraire, TDAH est très sage à l'apparence et n'avoir que le trouble de l'attention. Tu as 8 ans. Ça fait deux ans que t'es en primaire et ça se passe pas très bien. Personne comprend trop pourquoi. Mais tout le monde répète cette phrase comme si t'étais pas là. Comme si tu pouvais pas l'entendre. Elle rentre pas dans le moule. Maman et papa comprennent pas trop. Tes sœurs et ton frère te trouvent drôle. Parce que même si t'en fais des caisses, ça fait rire les gens que t'aimes. À l'école, eux, ils rigolent pas trop. Les autres élèves comprennent pas pourquoi tu tiens pas en place. Pourquoi tu dis toujours ce que tu penses Pourquoi tu coupes et monopolises la parole tout le temps Les profs, eux, ils te supportent pas trop. Mais il faut les comprendre. T'es la seule personne qui abîme le fonctionnement de la classe. T'as pas trop de potes, quoi. Un jour, ta nounou, elle entend à la radio quelqu'un parler de TDAH. Et elle te reconnaît. Il y a une question complexe qui se pose à propos du TDAH, c'est que lorsque l'on s'inquiète d'avoir un TDAH, en réalité, on ne s'inquiète pas du TDAH lui-même, mais des conséquences du TDAH. Donc, si vous avez un TDAH et que ça n'a aucune conséquence, par exemple, vous avez un TDAH et vous êtes finalement plutôt sage, vous avez plutôt des bonnes notes, on ne va peut-être pas se précipiter pour pour comment dirais-je traiter ce trouble. En revanche, si ce trouble entraîne euh, échecs scolaires, problèmes de discipline, problèmes de relations avec les autres, ou si ce trou pour les adultes entraîne euh, des problèmes professionnels. Par exemple, le fait d'être complètement désorganisé, de consacrer quatre heures à un travail qui mériterait seulement une heure. Par exemple, pour, dans la vie professionnelle, eh bien, un TDAH peut avoir des problèmes d'organisation, peut avoir des problèmes de maîtrise des idées. Il est en train de se concentrer sur quelque chose, mais il va avoir plein d'autres idées qui vont faire qu'il va perdre du temps. Il peut oublier beaucoup de choses, il peut faire des fautes d'étourderie. Des on peut faire des fautes d'étourderie des dans un devoir scolaire, mais on peut faire aussi des fautes d'étourderie des dans un travail professionnel. Par exemple, si on rédige quelque chose, si on fait un rapport, si on oublie un rendez-vous. Vous, si on égare ses affaires, etc. etc. Je, je crois qu'il euh, y a peut-être ce qu'on pourrait appeler un mythe, une idée fausse, selon laquelle euh, le TDAH serait quelque chose d'actuel. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucune donnée qui permette de penser que le monde moderne, par exemple les réseaux sociaux, par exemple les écrans, euh, favorise le TDAH. Simplement, la France, dans ce domaine, était plutôt en retard. Donc, elle découvre un trouble qui existait et qui était bien identifié dans beaucoup d'autres pays. Comme on le découvre tardivement, on a l'impression que c'est récent, on a l'impression que c'est un effet de mode, mais en réalité c'est un trouble qui est décrit, encore une fois, depuis des décennies, depuis des siècles, euh, et euh, par conséquent c'est une découverte, une fausse découverte, c'est la, la découverte d'un pays qui ne s'était jamais vraiment penché sur ce sujet. Chez un adulte, on, on retrouve euh, euh, essentiellement des problèmes d'attention, de concentration, d'organisation, donc vraiment l'adulte la, qui, qui me décrit ces difficultés, eh bien, c'est le fait par exemple de, de reporter sans cesse, parce que comme ça coûte beaucoup d'énergie lorsqu'on a du mal à se concentrer euh, pour faire un travail fastidieux, et euh, eh bien souvent euh, les, les, les patients qui ont un TDAH adultes ont du mal dans leur travail, ont du mal à accomplir les tâches dans un temps donné, ont du mal à s'organiser, ont du mal à se concentrer. Et donc souvent, ils ont l'impression de vivre dans une espèce de désordre de la pensée et donc d'avoir des difficultés à pouvoir optimiser leur travail à hauteur de leur talent. Et quand d'ailleurs ils sont délivrés du TDAH, ils ont parfois l'impression d'être plus performants, plus intelligents, alors qu'en réalité ils ne, ils ne sont pas plus intelligents, simplement l'intelligence est désencombrée du trouble attentionnel. Alors bien sûr, les adultes peuvent avoir aussi de l'agitation comme les enfants, mais ça se manifeste de façon très très différente. L'enfant agité, il va se lever en classe, il va bavarder en permanence, il va jouer avec ses crayons, etc. Alors que l'adulte... Il va se contenter simplement d'avoir du mal à rester, par exemple, assis pendant trois heures dans une grande réunion. Euh, il va avoir du mal à rester dans une position un peu fixe. Moi, d'ailleurs, dans, dans parmi mes patients, je repère parfois, mais évidemment, c'est un repère juste préliminaire, je repère parfois des patients en simplement par le fait qu'ils sont constamment en train de changer de position. Ils mettent la jambe droite sur la jambe gauche, la jambe gauche sur la jambe droite. Ils mettent le coude, puis ils se remettent à gauche, puis ils se remettent à droite, etc. etc. Ils bougent constamment. Ils interrompent souvent. Euh, ils, ils sont plutôt bavards, un, un TDAH classique est plutôt bavard. Mais à, à vrai dire, il n'y a pas de, de TDAH type, on est toujours TDAH et plein d'autres facteurs de personnalité. Par exemple, on peut être TDAH et timide, et dans ce cas, on ne parle pas beaucoup. On peut être TDAH euh, et avoir le goût de l'organisation. Donc, on va compenser son TDAH par euh, un, un, un certain talent à s'organiser, à régler ses problèmes. Je peux, je peux donner un, un petit exemple. Euh, les les TDAH souvent euh, font des erreurs et des oublis. Ils oublient les rendez-vous. Je parle des adultes. Hein, ils oublient les rendez-vous. Euh, ils, euh, ils, ils confondent certaines choses. Eh bien, certains vont avoir un carnet qui sera vraiment euh, comme un comme un majordome à leur disposition, ils vont avoir un carnet et ils vont tout noter. Ils vont noter euh, le rendez-vous professionnel, le rendez-vous médical, le rendez-vous téléphonique avec leur, leur tante, etc., etc. Et donc, ils vont compenser le TDAH par une espèce de, de précaution euh, fébrile euh, toute la journée. Et donc, il n'est pas rare que certains TDAH aient peu de conséquences de leurs troubles euh, parce qu'ils prennent beaucoup de précautions. Et d'autres, au contraire, ne prennent aucune précaution et donc sont constamment dans le désordre, dans la, dans la démesure, dans l'impulsivité. C'est aussi un, un trouble que l'on peut observer chez les adultes comme chez les enfants. C'est le fait de parler un peu, comme on dit, à tort et à travers, c'est-à-dire de, de parler tel qu'on pense, sans filtre. Donc parfois, on fait des gaffes, on dit des choses qui ne sont pas forcément très agréables à entendre. C'est un point très important que je voudrais souligner. Dans notre cerveau, quand nous décidons de faire quelque chose, dans le même temps que nous décidons de nous concentrer sur une activité, par exemple, je vais me concentrer pour lire, il faut que dans le même temps, j'inhibe toutes les autres distractions possibles. Par exemple, ne pas être attentif au bruit dans la rue. Par exemple, ne pas se poser des questions sur ce que l'on va manger le soir. Donc, il faut que je sois dans mon livre. Et quand on a un TDAH, on a tendance à être sensible à ce que l'on appelle des distracteurs. Et il y a deux sortes de distracteurs, il y a les distracteurs externes ce qui se passe autour de soi, par exemple pour un élève, ce qui se passe dans une classe, dans une classe il se passe plein de choses, donc on peut constamment écouter euh, le, le professeur, mais dans le même temps regarder euh, le nouveau pantalon d'un copain, le, 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 le crayon-bic qui vient de tomber par terre, etc. Et puis on peut avoir aussi des distracteurs internes, c'est-à-dire avoir euh, par exemple euh, 10 idées en même temps, c'est-à-dire on pense à une chose, etc. Allez c'est parti, on se lève, je vais faire un petit café. J'ai trop de trucs à faire aujourd'hui. J'ai le taf, je commence à 10h, il faut, faut que, que je range l'appart. Oh, j'ai une machine vous à faire aussi. Euh, Qu'est-ce que je veux faire Oubliez déjà Un café. J'ai ah, oui. mis où mon téléphone en au fait Purée, le le je ne l'ai pas trouvé depuis faire. Faire hier. Il est forcément quelque part, il est en fait dans ma chambre. Je l'ai peut posé sur ma commode. Qu'est-ce que je voulais faire déjà dans ma chambre Je voudrais citer un de mes petits patients qui, à l'âge de 10 ans, m'avait dit je lui avais donc prescrit un médicament pour cela. Et il m'avait dit, avant ce médicament, j'avais toujours 10 idées en même temps. Et évidemment, quand vous avez 10 idées en même temps, vous ne pouvez pas faire un travail euh, continu, vous manquez d'attention et de concentration. Et il m'avait dit, depuis que j'ai le médicament, j'ai toujours 10 idées en même temps, mais je peux donner la, la préférence à l'une d'entre elles, et donc mettre les neuf autres, euh, euh, disons, euh, au balai. Dans le TDAH, il y a des facteurs de risque. Le premier, c'est la génétique. Très explicitement. Quand vous avez un TDAH, il y a plus de risques que dans vos apparentés du premier degré. Alors les apparentés du premier degré, c'est tout simplement les frères, les sœurs, les parents et les enfants. Il y a plus de risques. Pour simplifier, dans la population générale, si vous prenez 100 personnes au hasard, vous avez 5% euh, qui, qui ont un TDAH. Si vous prenez les apparentés du premier degré, vous avez 25%. Donc le risque est multiplié par 5. Donc ça, le premier facteur de risque, c'est la génétique, c'est l'hérédité. Et le deuxième facteur de risque, il y en a mille autres, hein, mais qui sont bien connus, ce qu'on appelle la néonatalogie, c'est-à-dire tout ce qui concerne la naissance. Par exemple, si vous avez un enfant qui est né avant terme, si vous avez un enfant qui est né avec un petit poids de naissance, si vous avez un enfant qui est né dans des circonstances difficiles, par exemple si l'enfant n'arrive pas à trouver d'oxygène à la naissance, ce qu'on appelle l'hypoxie néonatale, eh bien, si vous avez un enfant qui a ces problèmes au, au moment de la naissance, eh bien, il y a plus de risques pour qu'il développe un TDAH. Évidemment, ce n'est pas du tout une certitude. C'est un facteur de risque. Donc, il y a des enfants qui ont une naissance d'enfer entre guillemets et qui n'ont pas du tout de TDAH, et des enfants qui ont une naissance magique, toujours entre guillemets, et qui ont un TDAH. Mais ça, ce sont deux facteurs de risque la génétique et la naissance. Je, je vais essayer de, de vous décrire de façon un petit peu concrète euh, ce qu'est le, le TDAH, d'abord chez l'enfant et ensuite chez l'adulte. Chez l'enfant, il le, le, y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure, l'enfant a un TDA sans âge, c'est-à-dire qu'il a un problème attentionnel, un problème de concentration, mais il n'est pas agité. Donc il sera typiquement ce qu'on appelle dans la lune. Et ça, c'est un grand classique euh, de, des, des notations des professeurs, euh, dans la lune, dans les nuages, il n'écoute pas, etc. Et donc cet enfant-là, il va être présent physiquement en cours, mais cérébralement il ne sera pas présent parce qu'il pensera à autre chose. Il aura euh, plusieurs idées en même temps qui chasseront euh, euh, le, le cours de maths ou le cours de français. Voilà un peu ce qu'on qu peut décrire. Et quand vous avez un TDA avec H, donc vous avez un enfant qui est à la fois inattentif, agité et impulsif, hein, c'est les, euh, les trois groupes de symptômes du TDAH, inattention, agitation, impulsivité, vous avez un enfant qui est remuant, qui bouge, qui bavarde, qui interrompt qui pose des questions sans, sans se demander s'il est à contre-temps ou non. Et dans ce cas-là, vous avez un enfant qui aura à la fois des problèmes attentionnels, donc des problèmes scolaires, mais également des problèmes disciplinaires. Et j'ai envie de dire que quand des enfants ont un TDA avec H, c'est-à-dire lorsqu'il y a à la fois des problèmes attentionnels et disciplinaires, le diagnostic se fait plus précocement. Parce que comme un enfant qui a des problèmes disciplinaires, qui bouge beaucoup, qui bavarde, qui euh, joue avec ses crayons au lieu d'écouter le cours, etc., euh, eh bien, on va considérer entre guillemets qu'il est un peu casse-pied, et donc les enseignants vont se plaindre auprès des parents, vont dire ah bah votre enfant il a un comportement euh, qui n'est pas très sympa en classe, il obéit pas, etc. Donc on, les, les parents vont consulter plus rapidement. En revanche, si vous avez un enfant dans la lune et qui a quand même de bons résultats scolaires, parce que pour un enfant brillant, s'il si a un trouble attentionnel, il va être compensé par le talent. Ça c'est vraiment une notion très importante. C'est-à-dire quand vous avez un enfant très brillant. Même s'il a un TDA du tonnerre, euh, il va le compenser pendant des années. Et le TDA finira, le trouble attentionnel finira par gagner la partie, mais parfois seulement au collège ou au lycée. Donc on a un parcours scolaire étonnant, c'est-à-dire qu'on a un parcours scolaire brillant avec de très bonnes notes, puis tout d'un coup ça s'écroule. Et on réalise rétrospectivement, en interrogeant les parents, en interrogeant les bulletins scolaires, en relisant les bulletins scolaires, que c'était déjà inscrit, mais on n'y avait pas attaché beaucoup d'importance. Et il y a une autre raison pour laquelle souvent on n'attache pas beaucoup d'importance euh, à ce qui peut être dit à propos des enfants dans la Lune, par exemple, bah c'est tout simplement parce qu'on a l'impression qu'ils sont en faute. Et donc, à partir du moment où vous pensez qu'un enfant est en faute, qu'un enfant est fautif, eh bien vous ne vous interrogez pas sur la possibilité que ce soit un symptôme. L'enfant, l'élève, qui dérange en classe alors qu'il a un potentiel élevé. Mmh. Quand il est TDAH, il ne dérange pas parce qu'il a envie de foutre la merde. Ce n'est pas forcément son caractère ou son tempérament. Ce sont des élèves qui vont parfois faire du bruit ou, ou marmonner quelque chose ou dessiner en classe, mais ils ont du mal à suivre le fil du à cours jusqu'au bout et à se concentrer. Alors chez l'adulte, je voudrais euh, dire comment ça, ça se passe. Euh, chez l'adulte, il y a évidemment des possibilités que ce trouble pose des problèmes dans la vie professionnelle, et même dans la vie affective, et même dans la vie euh, domestique, etc. Parce qu'ils sont désorganisés, parce qu'ils oublient tout, parce qu'ils ils reportent de jour en jour le travail, etc. Les tâches quotidiennes, le fait de les noter, ça me les sort de la tête. Et il faut que j'aie rien dans la tête. J'ai une certaine capacité à me concentrer. Donc si je dois me concentrer sur le fait que euh, je dois aller chercher un colis, je dois me faire à manger, je dois lancer une machine à laver, je dois ensuite sortir le linge, je dois repasser le linge qui est propre, je dois le mettre dans la commode, ce sont des tâches extrêmement simples pour n'importe qui. Moi, ça me nécessite beaucoup de concentration. Et ça m'épuise. Mais là, vous avez beaucoup de cas de figure, parce que si vous avez un TDAH adulte qui fait un métier passionnant, la passion, j'en profite pour le préciser, c'est le meilleur remède naturel du TDAH. C'est bien supérieur à toutes les médecines. Dès qu'un TDAH est passionné et dès qu'un humain est passionné, euh, si j'ose dire, tous les symptômes disparaissent. Le problème, c'est qu'on n'a pas inventé euh, une école qui est passionnante 6 heures par jour et on a rarement inventé une vie professionnelle qui est passionnante euh, 35 heures ou plus par, par semaine. Mais si euh, une personne est passionnée par son métier, le TDAH sera invisible. Et c'est la raison pour laquelle je crois profondément que. Ce n'est pas le TDAH qu'il faut soigner, ce sont les conséquences du TDAH. Donc un enfant TDAH ou un adulte TDAH qui n'a pas de conséquences négatives dans sa vie, bien, il essayera éventuellement de maîtriser un peu mieux, de faire quelques efforts, de, 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 de vivre avec sa nature et de trouver des parades, mais il n'y aura pas besoin de, de soins médicaux. Euh, il suffira simplement euh, qu'il se connaisse bien pour essayer de contrer ces euh, difficultés. Le, le TDH, c'est évidemment un ensemble de problèmes, un ensemble de difficultés, un ensemble d'obstacles. Alors, est-ce qu'il y a des aspects positifs dans le, le TDH À vrai dire, il y en a très peu. Euh, mais c'est vrai que certains TDH ont la capacité d'une convivialité, d'une spontanéité, d'une jovialité on dit même parfois d'une créativité. Peut-être qui peut être excellente. Et d'ailleurs, c'est une, une question intéressante parce que certains euh, patients adultes me disent :« Mais écoutez, euh, bon, je suis désorganisé, euh, j'ai beaucoup de mal à travailler, je manque d'endurance lorsque je dois faire un travail un peu long. Euh, mais moi, j'ai pas envie que vous me priviez euh, avec ce, ce médicament que vous me proposez. J'ai pas envie que vous me priviez euh, de ma créativité, de ma jovialité, de, de mon énergie, etc., etc. Et je les rassure en leur disant que ce traitement. Délivre des difficultés, mais euh, n'entrave pas euh, le petit bonheur, mais tout petit, hein, il y a plus de malheur que de bonheur avec le TDAH, euh, le petit bonheur de la, du TDAH qui peut en effet euh, euh, permettre parfois plus de jovialité, plus de créativité. Un point euh, que l'on retrouve assez souvent euh, chez les TDAH, c'est qu'ils euh, reportent, dans, le, dans un jargon un tout petit peu plus euh, savant, on dit qu'ils procrastinent. Euh, ils procrastinent parce que pour eux c'est très difficile de euh, de travailler de façon laborieuse de travailler de façon endurante de travailler par exemple pendant quatre heures sur une même tâche donc ils reportent ils reportent ils reportent et quand ils sont au bord de la falaise à ce moment-là ils sont capables de donner une énergie formidable euh, mais pas parce qu'ils ont plus d'énergie que les autres mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix parce que si euh, par exemple un étudiant pendant trois mois euh, a préféré euh, s'amuser, se distraire, euh, regarder des feuilletons plutôt que de réviser, bah, à trois jours de l'examen, il va peut-être travailler 12 heures euh, par jour. Mais euh, parce qu'il est euh, confronté au, euh, à l'urgence. Donc l'urgence, en effet, euh, c'est quelque chose qui peut pallier, mais de façon très, très provisoire, euh, parce que fondamentalement, quand on a un TDAH, on est plutôt confronté à des difficultés pour réaliser des tâches qu'à des facilités pour les réaliser dans l'urgence. La question qu'on peut se poser avec le, le TDAH, euh, c'est de savoir finalement quelle est la, la vraie cause euh, de ce trouble. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de, de facteurs de risque tels que la génétique, mais euh, que se passe-t-il dans le cerveau d'un TDAH À dire vrai, nous n'avons pas de certitude. Nous avons pour l'instant quelques pistes. Je vais en citer une, mais il y en a d'autres. C'est la piste notamment de la dopamine. Ce trouble serait lié à un déficit en dopamine. Alors la dopamine, ça a l'air très savant, c'est ce que l'on appelle un neuromédiateur, c'est-à-dire un médiateur entre neurones. Dans notre cerveau, il y a les, des cellules spécialisées qu'on appelle les neurones. Les neurones ne communiquent pas en se touchant, mais en s'envoyant dans la synapse, c'est-à-dire dans ce qui se trouve entre les deux neurones. Évidemment, quand je dis deux neurones, à chaque fois que nous avons une action, ce sont des millions de neurones qui euh, fonctionnent en même temps. Donc, entre deux neurones, il y a un échange de neuromédiateurs, par exemple la dopamine, la sérotonine, etc. Et le, le TDAH serait lié à un déficit en dopamine. Et ce déficit en dopamine pourrait être compensé par un médicament qui est dopaminergique, encore un terme un peu savant, mais ça veut dire tout simplement qu'il augmente le taux de dopamine. Et ce, ce médicament permet souvent, de façon vraiment très très efficace, de délivrer. Euh, le patient, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, de ce trouble. Il faut prendre en compte la possibilité que si l'on admet que ce trouble est un trouble biologique, un trouble neurobiologique, lorsque l'on donne un traitement biologique, on est en parfaite adéquation avec la réalité de ce trouble. Trouble biologique, traitement biologique. Donc, TDAH, médicaments. Je, je voudrais préciser que, bien sûr, et c'est vrai dans tous les domaines de la médecine, il y a souvent plusieurs propositions thérapeutiques. On peut, euh, par exemple, pour le TDAH, avoir euh, des soins en psychomotricité, en psychologie. Il y a, par exemple, le cogmed, le neurofeedback, etc., etc. Le problème est de savoir ce qui est le plus efficace. Et euh, de ce que j'ai pu observer, euh, le plus efficace, c'est le médicament. Regardez les chiens qui se battent! Je vais les voir, je vais les voir! Tout ça pour une couronne de ventilo! C'est fascinant, les chiens! Très bien, les enfants, nous avons tous vu les chiens, alors! Oh Quoi? Tu ne t'es pas levé? Je sais ce que c'est un chien, j'en ai déjà vu! C'est moi qui dis ça. Est-ce que ce serait le médicament? J'éprouve le besoin de me conduire comme il faut. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui séduit, parce que tout le monde préfère la psychologie, la psychothérapie, la relaxation, euh, plutôt que de prendre des médicaments. Mais en termes d'efficacité, le médicament est vraiment plus efficace que toutes les autres thérapies, même si elles ne sont pas inefficaces, elles le sont beaucoup moins que le médicament. Et ce médicament présente, à mes yeux, trois avantages. Le premier, euh, c'est qu'il est prescrit depuis plus de 60 ans. Alors, en France, depuis seulement 1996, donc. Ils ont 25 ans pour aller vite. Euh, mais on profite de l'expérience de nos voisins, notamment les Belges, euh, les Suisses. C'est en Suisse d'ailleurs que ce médicament a été découvert en 1945, donc il y a très longtemps. Et donc on profite de l'expérience de ces, de ces voisins qui le, qui le prescrivent depuis 60 ans ou plus. Et donc on a un recul fantastique avec ce médicament, donc c'est très rassurant. On a aussi un volume fantastique. Il est prescrit dans tous les pays développés de la planète, c'est-à-dire environ 80 pays, donc à des dizaines de millions d'enfants. À des millions d'adultes également. Euh, et donc, on est vraiment très rassuré. Parce que si ce médicament était dangereux, ou si ce médicament provoquait euh, des troubles, des effets secondaires graves, on, on aurait fini par s'en apercevoir. Et, donc, euh, et la troisième raison pour laquelle ce médicament doit être rassurant, c'est qu'on peut, en quelques jours de traitement, savoir ce qu'il en est. Donc, le dilemme par rapport à ce médicament n'est pas de savoir si on va le donner ou non. Par exemple, pour un parent, de savoir si on va le donner ou non à son enfant, mais juste de savoir si on est d'accord pour l'essayer quelques jours pour juger sur pièce. Et parfois, c'est tellement démonstratif que, euh, évidemment, euh, ce médicament apparaît comme étant euh, une, une, une très bonne proposition thérapeutique. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de controverses, mais ces controverses sont euh, idéologiques. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a, en France, des psychiatres qui sont plutôt d'orientation psychanalytique, donc qui pense que tout est affectif, euh, que tout relève de l'éducation. Et souvent, quand un parent consulte euh, un psychiatre, s'il tombe sur un psychiatre qui pense que tout est affectif et éducatif, il va, à la limite, il va négliger. Le, le diagnostic, pour certains psychiatres, pour certains pédopsychiatres, le TDAH ne fait pas partie de leur panoplie diagnostique. C'est une invention euh, sans intérêt, c'est une espèce de biologisation de la psychiatrie qui leur paraît un peu euh, inutile, et donc ils vont se, se, se pencher plutôt sur la vie affective, euh, que, quelles sont les relations entre papa euh, et son enfant, entre maman, etc., etc. Donc ils vont faire toute une exploration de la vie familiale, de la vie affective, du parcours éducatif, mais c'est à mon sens, presque du temps perdu, euh, et surtout, ça, ça empêche d'aller au bon diagnostic, parce que, à mon sens, et c'est un point de vue qui est partagé par, euh, si j'ose dire, à défaut de la majorité des psychiatres en France, en tout cas par la majorité des psychiatres dans le monde, c'est un trouble biologique, donc qui n'a pas de lien avec une faute de l'enfant, ce n'est pas un problème d'immaturité, ce n'est pas un problème de bonne volonté, ce n'est pas un problème de déclic scolaire, ce n'est pas un problème d'obéissance et c'est pas non plus une faute des parents, ce n'est pas un problème familial, ce n'est pas un problème affectif, c'est pas un problème éducatif. Mais évidemment, le point de vue que je défends en disant que c'est un trouble biologique, ce n'est pas un trouble affectif, ce n'est pas un trouble familial au sens de la vie éducative c'est un point de vue qui est minoritaire en France. Donc c'est vrai que ce point de vue est très largement Controversée, mais c'est à mon avis une controverse qui ne repose pas sur les faits bien établis par des centaines de recherches depuis des décennies. Si, si vous avez bien entendu tout ce que je vous ai raconté, vous avez compris que le problème, en fait, c'est que les symptômes de ce trouble peuvent apparaître comme des fautes. Et quand vous lisez un bulletin scolaire, vous avez l'impression que l'enfant est fautif. Il ne fait pas d'efforts, il ne respecte pas les consignes, il bavarde. Donc, on a l'impression que c'est un enfant fautif, qui commet des fautes et qui devrait être puni. Et c'est évidemment une immense injustice, parce que ce ne sont pas des fautes qu'il commet, ce sont des symptômes, mais qu'on n'a pas identifiés comme tels. C'est un petit peu comme si, je vais prendre un exemple peut-être un peu, un peu exagéré, mais c'est un petit peu comme si un enfant était au fond de la classe, était myope et qu'il n'avait pas de lunettes. Et on lui, lui reprochait, on lui dirait, mais tu devrais faire un effort pour lire le tableau. Évidemment, ce serait une injustice folle, parce que euh, ce serait la responsabilité tiendrait aux parents et aux enseignants de ne pas lui fournir de lunettes et de ne pas le mettre au premier rang. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe avec les enfants qui ont un TDAH. Souvent, on les accable, on les culpabilise. Dans la foulée, on culpabilise aussi les parents. Donc, le TDAH, ce n'est pas une faute de l'enfant, ce n'est pas une faute des parents, c'est un trouble qui mérite d'être considéré comme tel, c'est-à-dire non pas comme une faute, mais comme un trouble. Votre fils souffre d'un manque de concentration chronique. Comme Jim Carrey, par exemple Comment le saurais-je Les enfants victimes de cette déficience sont agités et facilement distraits. Et hey, Marge, c'est moi, Homer oh Je voudrais vous parler aussi de, des adultes. Les adultes, souvent, le diagnostic se fait de façon, si j'ose dire, un petit peu amusante, parce que on reçoit un enfant, accompagné de son parent. On explique aux parents que c'est un TDAH, et le parent se rend compte. Que dans son enfance, il avait les mêmes problèmes que son enfant. Qu'il avait donc lui-même un TDAH, mais qu'il n'avait jamais été diagnostiqué. On avait pensé simplement que, par exemple, c'était un enfant désobéissant, c'était un enfant qui n'était pas très intelligent. C'est d'ailleurs un problème. C'est quand vous avez un TDAH, vous avez des résultats scolaires qui sont parfois pas très bons, et vous vous dites Eh bien, je ne suis pas très intelligent, je ne suis pas fait pour les études. Alors qu'en fait, vous pouvez être très brillant, avoir des résultats scolaires qui ne sont pas très bons, à cause du TDAH. Et donc, c'est un drame. C'est un drame non seulement parce que les enfants n'arrivent pas euh, à euh, avoir des performances scolaires à hauteur de leur talent à cause du TDAH, mais en prime, ils se culpabilisent. Ils, ils gardent parfois toute leur vie l'idée qu'ils n'étaient pas très bons, ils n'étaient pas brillants, ils n'étaient pas faits pour les études, etc. etc. Donc, c'est souvent tout un parcours de vie qui est en quelque sorte... Euh, Encombrés par le fait que le diagnostic n'a pas été porté dans l'enfance et n'a pas été soigné. Alors pour les adultes, donc souvent ils le découvrent à travers, si j'ose dire, la consultation de leur enfant. Et puis sinon, il y a des adultes qui sont véritablement encombrés par par ce, ce trouble. Dans la pratique, quand on a un TDAH, c'est surtout un trouble exécutif en fait. C'est un trouble de l'exécution, c'est-à-dire qu'on va, on va oublier, on va perdre les choses, donc c'est une question de, de mémoire, une question d'organisation, une question de dire les bonnes choses au bon moment, euh, de, de, de fitter un peu socialement. Par exemple, euh, ils n'arrivent pas euh, à travailler efficacement, donc ils ont l'impression... De se, de, de se fatiguer ils ont une espèce de, de fatigue permanente et ils, parfois ils en ont bien conscience ils se disent mais ça je pourrais le faire en un quart d'heure mais il me faut trois heures parce que en un quart d'heure il faudrait que je me concentre mais comme je ne me concentre pas bah, je vais devoir passer beaucoup de temps pour faire une chose, ils ont du mal à lire un rapport ils ont du mal à écrire eux-mêmes éventuellement un rapport etc donc dans une vie professionnelle et, euh, et une vie tout court parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque relationnels avec le TDAH par exemple on est plus impulsif donc on s'exprime de façon parfois un petit peu plus désinvolte ou, ou insuffisamment prudente. Par exemple, on peut, euh, on peut euh, mal supporter les frustrations euh, par rapport à peut-être d'autres personnes, parce que la vie professionnelle, c'est pas toujours euh, agréable et facile, il y a des moments un peu difficiles, donc… On peut en souffrir davantage, euh, etc. On peut aussi avoir le sentiment euh, qu'on est euh, au sommet de ses capacités. Euh, et donc, euh, on a un petit peu peur, en quelque sorte, de, de sauvegarder sa vie professionnelle, parce qu'on fait souvent des erreurs d'étourderie, parce qu'on arrive en retard, parce qu'on ne rend pas euh, euh, ses, euh, ses, les missions dans, dans le temps imparti, parce qu'on n'accomplit pas des objectifs, etc. etc. Donc, le TDAH, c'est parfois un encombrement un encombrement pour bien se réaliser professionnellement et un encombrement pour être heureux dans sa vie professionnelle. Mais il y a des exceptions. Quand vous avez un TDAH euh, pour lequel, en plus, il peut y avoir une amélioration en cours de vie, pas complète mais partielle, qui a un métier qui le passionne, dans ce cas, il peut être très heureux, il n'a besoin d'aucun médecin, d'aucune consultation, d'aucun traitement, parce que la passion, c'est le meilleur remède du TDAH. C'est le meilleur remède de surcroît naturel du TDAH. Donc certains TDAH sont heureux de leur TDAH parce qu'ils n'ont pas un métier qui demande de l'endurance, ils ont un métier qui demande seulement de la créativité, euh, de la convivialité, et donc ils peuvent, entre guillemets, s'éclater euh, en exerçant un métier qui les passionne tout en étant TDAH. J'espère donc que euh, je n'ai pas été trop savant. Euh, je suis médecin, j'ai essayé de, de m'exprimer le plus clairement possible. Et donc, je suis en toute hypothèse heureux d'avoir participé à l'émission scientifique de CLIC, T'as capté, qui est donc une émission qui, j'espère, vous apportera, pour ce sujet comme pour d'autres, euh, beaucoup de, de bonheur et de découverte. T'as capté